Nils Mouat, défenseur central United de Saint-Paul. Ça devait être en 2016, enfin c'était en U13 deuxième année, et puis bah ouais, c'est parce que j'avais un pote là et j'avais envie de commencer le foot. Ma première finale de Coupe Breven, donc c'était en U15 première année. Et on avait gagné 4-1 à 10 contre 11 pendant presque la moitié du match. Bah, j'étais bien stressé, hein. J'étais titulaire et tout, et ouais, c'était un peu stressant. Et puis quand à la mi-temps, on était à 1-1 et on était à 10 contre 11, je pensais que ça allait être compliqué, mais au final, on s'est surpassé, on a tout donné, et puis on a fini par gagner 4-1, donc c'était super victoire. J'étais moins stressé, donc puis c'était un peu le scénario était un peu plus favorable parce que là cette fois c'était nous qui étions en supériorité numérique, donc ça s'est passé un peu plus facilement, on va dire. Premièrement, ouais, c'est super convivial comme club. Tous les entraîneurs que j'ai eus, ils étaient vraiment vraiment super, c'est toujours bien passé, et puis ouais, franchement, rien à dire. Ouais, bah, je reste un peu sur ma faim parce que ça avait très mal commencé, parce qu'on enchaînait les mauvais résultats et ça, on n'arrivait pas à bien s'entendre sur le terrain et tout. Et là, justement, bah, c'était au match de Mions. On a commencé à vraiment bien jouer et à faire vraiment une remontée sur au classement. Et puis ce qui me fait surtout, ce qui m'embête le plus, c'est qu'on puisse pas continuer la Coupe du Rhône, parce qu'on s'était qualifié en quart de finale. Donc j'étais jamais allé aussi loin avec le club, du coup j'aurais bien aimé continuer, quoi. Bah, je pense que individuellement, j'aimerais bien m'améliorer sur les corners offensifs. Collectivement, ouais, faire encore un parcours un coup du rôle. Moi, c'était Yves en U13, parce que c'est vraiment, c'était ma première année de foot. Et il m'a vraiment laissé un super bon souvenir. Il me faisait confiance sur le terrain, alors que j'avais jamais fait de foot avant et tout, donc ouais, ça, j'ai un super souvenir de mon premier coach. Sortez de chez vous que pour taper le ballon, sinon restez chez vous.